C'est ce centre d'enrôlement situé au quartier qui est là dans la commune de Boulengera qui a été attaqué par un groupe d'hommes porteurs d'armes à feu. Ils ont arrivé sur les lieux à l'aube, tel qu'il explique cet agent de la police, l'un des éléments commis à la garde de ce centre. Les balles ont commencé ici. Voici les bancs qu'on utilisait pour s'asseoir. Les bancs ont été détruits par des balles. Parmi les assaillants, il y avait deux personnes avec deux armes. Ils nous ont entourés. Ceux qui avaient les armes étaient de l'autre côté. Ils visaient les nôtres qui étaient au rôle de veille vers 3h30. Ils ont crépité beaucoup de balles qui ont même touché les murs avec l'objectif de viser celui qui faisait le rôle de veille. Ils ont crépité des balles qui ont même touché les murs avec l'objectif de viser celui qui faisait le rôle de veille. Heureusement, il était prudent. Cette casserole a été touchée par balle. Dieu aidant, nous n'avons pas été touchés. Nous avons repoussé l'attaque. Des tirs ont été changés pendant environ une heure entre les assaillants et les éléments de la police et de l'armée commis à la garde de ces centres d'enrôlement des électeurs. Tôt le matin, la situation est redevenue calme dans ce centre. Plus d'une centaine d'habitants sont venus s'enrôler pendant des heures matinales. Cette attaque n'est pas la première fois depuis le début de l'opération d'enrôlement des électeurs à ville de Butembo et dans ses alentours. D'autres attaques ont été rapportées dans le centre de Kiriba, à commune de Boulamba, le centre de Mabono, à commune de Boulengera, et le centre de Butuhe, un village situé dans le groupement de Malio, au nord de Butembo, à territoire de Beni, au mois de mars dernier.